si tu passes 14 heures par jour sur ton ordinateur pendant 10 années, si tu deviens ce qu'on appelle, ce que les Japonais appellent otaku, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sort pas de chez lui, les gens ne comprennent pas ça. Ils disent il est malade, il a un problème, tu vois. Au bout du compte, en fait, tu es exclu de la société. Parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et donc, tu leur fais peur et ils te prennent. Alors que toi, tu veux faire ça. Donc, c'est un choix de vie, réellement. La majorité des gens ont une chance de grandir, de mieux comprendre les choses, aller plus loin, d'écouter. C'est vraiment la recherche de la connaissance. Des fois, ça peut juste être de comprendre comment ça marche. Même sans le déverrouiller, et d'arriver à appeler le driver de l'imprimante pour pouvoir lui faire faire quelque chose qu'elle ne veut pas avant, c'est aussi très jouissif. C'est vraiment l'âme du hacker, même s'il n'a rien ouvert qui était fermé, mais il a réussi, en comprenant comment ça marche, à ajouter une fonctionnalité, à changer quelque chose, c'est aussi du hacking. There's so many different levels, from the very top, you know, like a web application all the way down to the actual processor. I think that a lot of people in the hacking world really want to get that deep understanding of how everything works from the top to the bottom. Deuxième chose, il y a l'éthique. L'éthique, c'est grosso modo la volonté de faire finalement un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies. Et cette notion que je commence à développer est là pour ça, pour découvrir ce nouvel univers qui est l'univers numérique, le rendre habitable de façon correcte et agréable pour tout le monde. L'esprit cyberpunk, c'est ça, c'est la découverte de l'inconnu, tout le monde accessible, et éventuellement imaginer d'autres mondes virtuels. Ce qu'on connaît maintenant, sans les cyberpunk, de l'époque, on aurait pu ça. Freedom Zero is the freedom to run the program as you wish. Freedom One is the freedom to study the source code and change it, and thus make the program do what you wish. Freedom Two is the freedom to help your neighbor. That's the freedom to redistribute attack copies when you wish. And Freedom Three is the freedom to contribute to your community. That's the freedom to distribute copies of your modified versions when you wish. So, if the program comes with all four of these freedoms, then it's free software, because the social system of using